tiramisu au Kinder. Pour cette recette, il nous faut du sucre, des spéculoos, des Kinder, des œufs, du sucre vanillé, du chocolat en poudre, du chocolat en poudre, du café et de la mascarpone. La première étape, c'est de séparer les blancs des jaunes d'œufs. Hop, tiens, je te laisse mettre le jaune à côté. Ensuite, on va battre les jaunes d'œufs avec le sucre. Voilà, on va le battre jusqu'à temps que ça blanchit correctement. Hop, voilà. Et on va y ajouter la mascarpone. Et on bat de nouveau. Voilà, et ça donne une préparation bien lisse et homogène. L'étape suivante, c'est de monter les blancs en neige. L'étape suivante, c'est d'incorporer les blancs en neige. Délicatement, dans la préparation à base de mascarpone. Je te montre et après tu fais. Oh, délicatement, vas-y. La préparation est prête. Voilà, donc l'étape suivante, mais on va pouvoir mettre sur le côté. L'étape suivante, ça va être de faire fondre les Kinder au micro-ondes. Kinder sont fondus. Étape suivante, c'est de passer à la présentation. Alors, nous on va les mettre dans des coupes individuelles. Vous pouvez mettre ça dans un grand plat. Alors, la première couche, c'est une couche de spéculoos. Hop. Ensuite, on met une couche de préparation de mascarpone. Et ensuite, on mettra une couche de Kinder fondu. Et ensuite, on répétera ça plusieurs fois. Hop. Allez, on continue. On a fait un premier étage. Alors, attention avec les biscuits, il faut les faire tremper dans le chocolat. Dans le café plutôt. Mais oui. Mais pas trop. Parce que sinon, après, il faut vite le retirer. Vite, vite, vite. Sinon, après, il se casse en petits morceaux. La présentation est terminée. Donc voilà, maintenant on va les mettre au frigo pendant au minimum 2-3 heures. Et puis avant de déguster, eh bien, il faudra rajouter notre poudre en chocolat. Alors juste pour information, nous on a pris de la poudre en chocolat que les enfants boivent en fait avec du lait. Puisqu'en fait sinon normalement c'est du cacao amer, mais les enfants n'aiment pas trop le cacao amer. Alors nous on a rajouté un petit œuf Kinder en plus. Bon, c'est par gourmandise. Et maintenant on va goûter. C'est bon. Le Kinder. C'est bon. Au revoir les amis, à bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.